D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour, j'espère que vous tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pour aller troller un 2v2 en vidéo. Coucou YouTube. Donc voilà, c'est parti, j'ai mon petit deck troll. Full légendaire comme vous voyez. Et donc évidemment, on va troller avec ce deck. Il y a d'autres légendaires, ici il y en a deux autres, mais je préfère celle que j'ai mis dans mon deck. Donc c'est parti, on va attaquer 2v2, parce que c'est sorti à l'instant, pour aller troller. Go, lance. Donc je lui ai dit à Boucha, parce que c'est lui qui va m'aider, de faire un full légendaire, et on va troller, on va essayer de gagner. Donc arène 7, ah ouais ça va. Ah non, c'est juste l'arène, j'ai rien dit. Ok, donc là c'est tout nouveau pour moi en tout cas. Il y a plein de smileys en plus. Il y a plein de smileys, c'est ouf. Oh, c'est... Oh, par contre, la princesse. Le zappy, ok. Oh, il a mis l'électro-sorcier. C'est vrai que l'électro-sorcier est vraiment pas mal du tout. Là, il a bien joué. Ah mince, il a mis Soso, moi j'aurais mis le bûcheron. Bon, on n'est pas très ordonné. Oh, c'est pas mal quand même à gauche, regardez. Oh non, c'est bon. Il a mis la main de squelette. Moi, ce que j'aurais mis plutôt, c'est... Enfin, pardon, je voulais dire plutôt. S'il avait mis la main de squelette, ça aurait été vraiment très bien. Au niveau d'attaque, mais en fait il a bien défendu. Donc ça c'est plutôt cool. Aïe aïe aïe. Oh ça c'est... Ouais ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, mais c'est chaud quand même, assez chaud. Oh il joue super... Oh c'est bon, nickel. Il joue quand même très bien en face. Je sais pas s'ils sont coordonnés et tout, s'ils sont sur... S'ils sont sur Skype ou quelque chose comme ça pour parler un petit peu, se coordonner. En tout cas c'est vrai que c'est assez chaud. Donc là je prépare le molosse, je lui ai dit que je prépare le molosse et trop sorcier. Mince, il a mis le... Non, il a mis le trop sorcier, moi je vais mettre juste le sorcier, c'est pas grave. Mais le molosse, est-ce que je le tends? Ouais, c'est bon, je crois que c'est nickel. C'est beau ce qui se passe, regardez un petit peu, c'est beau ce qui se passe. La petite bûche, il a mis la bûche. Ah trop, ouais, il aurait dû le mettre maintenant. C'est pas grave, ah, la T2 par contre, ouais, elle fait mal. La T2 elle fait mal, la princesse aussi également derrière, le sorcier également aussi. Ouais, c'est chaud là. Vas-y, défends. On va perdre, non. On voulait troller. Et en fait, on nous a trollé. En plus, eux aussi, ils ont quand même pas mal de légendaires, hein, mine de rien. Mine de rien, ils ont quand même pas mal de légendaires, donc ouais. Je pense que le truc à tester, c'est de mettre des foudres, des zaps, des roquettes, etc. Ça peut être vraiment pas mal du tout. Ouais, par contre, là, ok, on peut rien faire contre ça. Mettre le zappy. Aïe. Il faut qu'on mette la princesse plus souvent par contre. Parce que là c'est vrai qu'il a l'armée de squelette, il a pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Oh là, c'est pas mal, regardez un petit peu. Ah il va mettre la T2 par contre, je vais mettre le mineur, vas-y. C'est beau ce qui se passe, regardez un petit peu, c'est beau. Magnifique. Le mineur qui va taper, par contre le zappy n'est plus là. N'est plus là du tout. Ok, donc pour l'instant j'attends un petit peu. On va mettre le bûcheron ici. On prépare. Oh, c'est chaud là, c'est chaud. On a mis deux électro-sorciers quoi, carrément. Et le zappy peut rien faire là, le zappy peut rien faire du tout. Bah c'est chaud, mais bon, ils sont devant quand même, Ils devraient plus se mettre sa bûche. Ok, donc là ça joue directement. La petite T2. On met le mineur, ouais, par contre, ouais, à chaque fois il a quelque chose quoi. Il devrait préparer sa bûche à chaque fois parce que là, c'est vrai que sa bûche elle est quand même relativement puissante. On va mettre celle-ci. Aïe aïe aïe. Ah, c'est chaud là, c'est chaud. Yes, oh, c'est beau. Et quand même, il défend bien. Enfin, on joue bien, je trouve, à deux. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'attaque à droite, allez. On est chaud. On part un petit peu à droite. Nickel. Ah, il faut qu'on attaque à droite. Parce que regardez le nombre de dégâts que j'ai fait à droite. J'ai même pas vu le nombre de dégâts que j'ai fait à droite. Donc là, j'économise tranquillement. Et on va mettre le bûcheron et le cimetière. Oh, magnifique. Mince, j'ai rien pour défendre.
Ah là là, je voulais attaquer. Je voulais attaquer à droite là et c'est vrai que j'ai pas défendu. Je voulais attaquer à droite et j'ai oublié de défendre. On repart. Ouais, ce truc à droite, regardez, il y a un petit peu à droite là, j'avais fait pas mal de dégâts. Et c'est vrai que j'avais oublié de défendre, je crois qu'il avait un petit peu d'élixir Boucham en fait, non. Du coup, c'est un petit peu dommage. Donc c'est parti, on va jouer contre Boucham. Vas-y, Boucham, d'abord. Vas-y, Boucham. Vas-y. Vu qu'il a fait full légendaire, je fais avec lui parce que l'autre il a pas fait full légendaire. Donc c'est son deck, ok. Donc lui il a la bûche, il a la dragon de l'enfer. Moi je l'ai pas parce que j'aime pas trop la bûche ni le dragon de l'enfer. Mais bon, après, ouais, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. On va mettre le sorcier de glace, pardon. Je confonds entre les deux à chaque fois. Être sorcier, sorcier de glace. On va mettre ça ici, le mineur. On va avoir du mal à défendre. Ouais, il a mis ça, mais bon, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud de défendre quand même. Mais là, je pense que ça va aller à droite. On devrait quand même faire un carnage. À droite, on devrait, je pense, faire un gros carnage. Oh, quoique, j'ai parlé vite. Hein. J'ai parlé vite là, je vous avoue. Oh, par contre, là, le molosse, dommage. Oh non! Bon, c'est bon. Ah non, on a pas. Je veux dire qu'on a la tour, mais en fait, on n'a pas encore la tour. C'est vrai qu'il défend quand même pas mal. Donc, pour l'instant, on va dire qu'il y a égalité. Enfin, pas encore, mais. Ça ne saurait tarder. Ouais, c'est vrai qu'à gauche, ils ont quand même bien joué les barbares d'élite. Quand j'ai vu les barbares d'élite, j'étais là. Oula. Ils sont chauds, ils sont chauds. Donc là, on va se faire peut-être le sorcier de glace. Je lui ai dit que je mets ça ici. Il met les appuis ici, ok. Faudrait qu'il attaque plutôt à gauche. On va faire ça directement, c'est plus rapide. Hein. Voilà, comme ça c'est fait. Oh, il joue bien en fait, il défend bien sa tour là. Les deux là, ils défendent bien leur tour. En fait, vous savez quoi, on va mettre la princesse directement, comme ça c'est fait, c'est fini. J'ai rien dit en fait, c'est pas encore fini. Le Zappy qui tape. Oh là là, mais quelle horreur cette game, quelle horreur cette game. En plus, on a même pas eu la tour. Et pourquoi il a pas mis la bûche avant? Pourquoi il a pas mis la bûche? Il aurait mis la bûche, on aurait. Oh là là, le massacre! Pourquoi il a pas mis la bûche sur la tour de droite, sérieux quoi? Pourquoi il a pas mis la bûche sur la tour de droite? J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Allez, prends-moi une tour. Prends-moi une tour, s'il te plaît, avec la bûche. Bûche-moi ça. Oh, d'accord, deux molosses. Oh, faut faire gaffe là. Faut faire gaffe là. Bûche-moi au moins la tour, s'il te plaît, de droite, comme ça on gagne une couronne au moins pour le clan, ça serait cool. S'il te plaît, vas-y. Ah, c'est chaud, il reste quand même 20 secondes, là il n'y a même pas la bûche. Mets la bûche, profites-en. Ah, c'est bon, on a le tour, c'est bon. Oh yes. Oh, je suis content quand même, je suis content parce que là c'est vrai que c'était un petit peu chaud. J'attaque à droite délibérément, mais je pense que c'est fini quand même, il reste 10 secondes, au moins on a la tour, c'est déjà ça. Au moins on a une petite tour. On est quand même pas loin, je vous avoue, enfin pas loin. Un petit peu loin quand même, mais bon, c'était quand même pas mal d'avoir une deuxième tour, mais bon, fallait quand même bien défendre. Donc voilà, au moins on a une tour, c'est vrai qu'on a pas super bien joué, mais voilà. Donc voilà, une couronne, prends ton deck. Donc voilà, coffre niveau 1, c'est tout. Prends ton deck, le mieux je fais de même. Donc là, on va arrêter de troller, on va prendre notre deck, et là, on va essayer de faire un carnage. Donc voilà mon deck, hein. J'ai un ballon classique et on va essayer de faire un carnage. C'est bon. C'est vrai que c'est quand même chaud pour faire des couronnes. Allez, c'est parti. Quel est son deck? Donc Arène 7 encore une fois. Ok. Je regarde un petit peu son deck pour savoir comment je vais jouer mon deck par rapport à lui. On est contre Lucho 2-0 et Tommy. La princesse ici. J'espère qu'il a pas la boule de feu. Non, pourquoi il a le sorcier? Ah, il joue bien, c'est bon, il joue bien. Il joue bien, il joue bien. Donc là, la Valkyrie, c'est quand même bien joué également. On va mettre. Si la boule de feu, c'est fini pour nous, quoi. C'est fini pour nous. Nickel. C'est beau ce qui se passe là.
Je crois qu'il va défendre. Défends, s'il te plaît, défends. Yes. Oh. Je voulais par contre, il est puissant. Hein. Avec le saut d'orage, il est quand même relativement puissant. Non, c'est bon. Il va pas toucher la tour. Non, c'est bon. Nickel. Donc pour l'instant, ça va. Mais bon, on sait jamais. Pour l'instant, on est quand même bien parti. Ok, je le zappie. Il joue le zappi, moi je joue les barbares, classique. Hein. Classique. On va mettre la petite princesse à droite. Ce qu'il faut faire, je pense, en 2v2, petit conseil pour gagner, c'est d'attaquer un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Parce que là, vous voyez que sur les 3 games, on est quasiment à chaque fois du même côté, c'est-à-dire à gauche pour l'instant. Mais je pense que si, voilà, si on reste trop sur un côté, ben, on risque de perdre. Donc n'hésitez pas à la droite, à gauche, etc. Et là, ça fait mal. Ah, mets la bûche. Aïe aïe aïe, ça tombe là, ça tombe. Hein. Pourquoi il a pas mis la bûche avant, j'ai pas compris pourquoi il a pas mis la bûche avant. J'ai pas trop compris. On met le ballon, on est chaud. Oh, la princesse ici, c'est bon, la tour elle tombe, je crois, j'espère. Oh non, même pas, c'est dommage. Regardez un petit peu la tour de droite. Hein. Regardez un petit peu la tour de droite. Là pour l'instant c'est quand même pas mal. Mais prépare les flèches. Non, j'ai mis trop tôt. Oh mais sérieux, ça m'est jamais arrivé ça, ce truc là. De mettre trop tôt. Oh, nickel la bûche. Nickel la bûche, ça c'est beau. C'est beau là, c'est beau. Mettre la princesse ici. N'empêche, moi j'aime bien ce mode de jeu. Mais c'est vrai que c'est assez chaud. Je veux dire, mets plus souvent ta bûche quand il faut. Car on aurait gagné easy. Allez, je joue contre Liam. On change de jeu parce que là. Ouais, j'ai pas trop vu son deck, mais bon, ça. Bonne chance, c'est parti contre Berben et je sais pas son LSQ, je sais pas quoi, bon bref. Un pseudo bizarre, ok, mais le fût, il va mettre les flèches, je pense. Ok, il se passe rien, donc tant mieux. Hein. On fait des dégâts, on fait 500 dégâts là en quelques secondes, donc c'est cool. C'est plutôt cool, on va pas se le cacher. Ah mince, il a mis la bûche. Il a mis la bûche pour rien. Enfin, moi j'ai mis les flèches pour rien, quoi. C'est pareil. Un des deux a mis la... Oh, la roquette. Il aurait dû mettre la roquette, c'est pas grave. On va faire avec. Et la princesse aussi également, ça c'est cool. Le petit feu gobelin, il est fou, hein. Il est fou. Regardez le feu gobelin. Magnifique, c'est beau. Oh, la roquette. Mais la roquette, pareil. A chaque fois j'ai l'impression qu'il met la roquette, en fait il la met pas. Non, mets pas la roquette. Non, pourquoi. Pourquoi il met la roquette maintenant, j'ai pas compris. Ah, il met la bûche, c'est bon, nickel. Oh, nickel ça aussi, c'est beau. C'est beau ce qui se passe là, c'est beau. Il me dit bien joué, je dis merci alors qu'il disait bien joué aux autres, je pense. Il a pas la bûche, moi j'ai pas la bûche. Oh, il a le fût, c'est bon, nickel. Nickel, c'est beau ce qui se passe. Nickel, on est. Oh là là. Magnifique game. Le carnage. Regardez un petit peu sur la tour du roi en plus. C'est un gros carnage. On va mettre peut-être le canon, ça serait bien. Non, il met la bûche à chaque fois que je mets le canon. Que je mets les flèches, à chaque fois il met la bûche. Et ça... non, la tour va tomber, non. Ah, je peux plus faire des moticônes, comment ça se fait? Ah, par contre, là, la princesse va attaquer à gauche, peut-être. Ouais, nickel. Nickel. Bon, pour l'instant, il est devant. Il
Les devins et les devins. On prépare ça. On prépare ça. On prépare ça. Nickel, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais la princesse ici. Oh! Oh là là! Ah, je peux faire la démoticône. Regardez, on a fini, on a gagné. On a gagné, les amis. Oui! Hop là, le petit canon. Le petit canon, nickel. Ah, je peux faire des émoticônes. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu relou, les émoticônes. Ils devraient pouvoir laisser. Parce que là, j'ai bien aimé les petits émoticônes qui étaient vraiment. Oh, il met la bûche à chaque fois. Bon, en tout cas, on a gagné. C'était plutôt cool. Vraiment une très bonne game. J'ai bien aimé. Sauf qu'à chaque fois, on se trompait un petit peu avec la bûche et les flèches. C'est vrai qu'à chaque fois, on se trompait. Mais on a quand même gagné. Donc, ça, c'est plutôt cool. GGMDR. Donc, ouais, vraiment cool. D'ailleurs, je vous prépare bientôt un petit pack opening, comme vous voyez. Un petit pack opening, donc voilà. On va essayer de reparler. On reparle d'un dernier game. Je vous prépare un petit pack opening pour la nouvelle carte. Donc, la voleuse. Pour espérer l'avoir. Donc, voilà, un petit pack opening avec pas mal de coffres qui vont arriver. Donc, c'est parti. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les coffres, les couronnes qu'on a dans ce mode de jeu... Ah, il a changé de deck, je crois. Donc, les couronnes qu'on a dans ce mode de jeu, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça s'additionne pas, pardon, au coffre à couronne. Et je trouve ça un petit peu dommage. Barbare, vas-y, mais mets-toi au cimetière. Non, qu'est-ce que tu fais? Le poison, ouais, si tu veux. Bon, là, je crois que tu... Je crois qu'il avait mis compté mettre le cimetière, du coup, j'ai mis les barbares, mais c'est pas grave. Ah, j'ai rien pour défendre. Oh, il tourne pas. C'est quoi ce Beans? C'est quoi ce Beans? Ah, il tourne même pas, quoi. La horde de gargouille, elle sert vraiment à décorer, quoi. Elle sert à décorer, la horde. Petite décoration. La méga gargouille qui est pas mal, là. La méga gargouille qui est quand même vraiment pas mal. La princesse qui va tomber. Oh, la boule de feu, ça c'est bien joué. Ouais, ça c'est bien joué aussi. Non, pourquoi tu mets ça, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Enfin oui, ça sert un petit peu quand même, regardez, on a fait quand même pas mal de dégâts, mais bon. Je trouve que, voilà, à part faire des dégâts sur la tour, ça servait pas à grand chose. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, il met le géant, mais il met rien. C'est vrai, mais le géant ici, là. Le géant ici, c'est nickel. Imaginez, on met deux géants en même temps, tu sais. Donc pour l'instant, on attend un petit peu, j'ai pas 10 d'élixir, donc j'attends un petit peu... Nickel, ça aussi nickel, c'est beau ce qui se passe là. Après, il a le bourreau, relativement puissant ce petit bourreau. On va mettre la princesse ici. Bon, ça va, on l'a quand même bien défendu le bourreau. Non, mais pas ça, mais pas le géant. Ouais, c'est pas grave, ça va le faire. Est-ce que ça va le faire ou pas? Est-ce que ça va le faire? Je sais pas. Oulala, on est chaud. Donc la tour elle tombe de ce côté. Et je crois qu'on va partir à gauche. On va partir à gauche attaquer. Hein. On va partir à gauche attaquer. Regardez un petit peu ça. Ah non, il a bien joué. Le petit zap là, j'ai pas vu le petit zap. Par contre, à droite c'est pas mal. À droite c'est vraiment pas mal du tout. On a quand même fait pas mal de dégâts. Oh mince. Le sorcier est pas passé devant. C'est dommage ça. Ça c'est dommage. Qu'il n'est pas passé devant. Il reste 30 secondes, le suspense c'est à son comble parce que là c'est vrai que... Ouais c'est chaud hein, c'est chaud, il reste 20 secondes là. Ah, il met la bûche. Il met la bûche. Non. Yes. Oh, c'est chaud, non, c'est perdu les amis. C'est perdu. Non, la boule de feu qui fait mal. Aïe. Dommage qu'il y ait une limite d'émoticônes, c'est dommage ça quand même. Dommage. Aïe. Donc voilà pour cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous a plu. On a trollé au début, après on attaque un petit peu normal, et c'est vrai que c'est quand même pas mal quand on attaque bien. Après je trouve que c'est dommage d'avoir seulement des couronnes juste pour le coffre, et pas avec... Enfin, pas que ça s'ajoute au coffre à couronne, c'est vraiment dommage. Après les coffres, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose de niveau, pour le niveau 1, il y a une seule rare. Donc on verra bien sûr, hein. Il reste encore 3 jours, un peu moins de 3 jours pour faire ce coffre.
Donc on verra. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Là, ciao, ciao.